je pensais avoir fait charger mon appareil et visiblement je l'avais mal branché. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends, nous sommes lundi, petite journée tranquille à la maison. Je me suis pas make-upée de dingue. Je suis habillée avec un body et un legging dans lequel je suis méga ultra giga confort. L'abricot est en train de jouer là, juste là. Bref, bah écoutez, je vais remettre mon appareil à charger parce que visiblement ça a bugué. Et puis bah je vous reprendrai tout à l'heure. J'étais en train de faire du tri, regardez dans tous ces vêtements là, il a trop grandi, c'est un enfer. Bon, ça y est, vous revoilà avec davantage de batterie. J'avais carrément mal branché tout à l'heure, enfin ce matin, mon appareil, ce qui fait que la batterie était, était vide, hein, voilà, parce que Lulu, tu coco, bref. Ce matin, avec l'abricot, bah écoutez, on s'est levé à 8h30, on a joué tout ça, il a dormi... Il a dormi 20 minutes histoire de dire. Voilà, je m'étais mis à bosser ma compta puisque qui dit lundi matin dit les trucs chiants, comme ça au moins c'est fait, on est tranquille pour le reste de la semaine. Et clairement bah, je n'ai pas eu le temps de tout faire puisque Abricot Tornado n'a décidé de dormir que 20 minutes, n'est-ce pas mon crabe? Bref, on a joué tout ça et puis j'ai trié toutes ses affaires parce que bah, mon nounou il a beaucoup grandi. Et autant vous dire que j'ai mis de côté un gros sac. Alors vous êtes souvent nombreux à me demander si je vends sur Vinted les affaires de Léo. Non, pour l'instant je ne les vends pas, je suis beaucoup trop sentimentale. Et je me dis que si un jour bah, on décide de mettre bébé 2 en route ou quoi, pour peu que ce soit un garçon, on aura de quoi faire, parce qu'autant vous dire que Léo il a eu des vêtements mais genre à n'en plus finir, alors que mon but, enfin notre but à Dadou et moi était de ne pas trop en avoir, mais en fait on vous offre tellement de choses qu'on a beaucoup trop de choses. Donc aujourd'hui je vous reprends en vlog, je suis trop... Ah bon? Bah moi je suis trop contente, désolée. Pourquoi tu râles Minou? Oh mon bec, qu'est-ce qu'il y a? Rien? Bon bah alors chérie. Je suis trop contente puisque la semaine dernière j'ai... Mais alors, genre j'ai pas le droit de parler en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tu m'as jeté ça. Bon, bah, il m'interdit de parler, donc je reviendrai tout à l'heure quand monsieur aura décidé. Voilà. Et là tu rigoles. Espèce de coquin de l'amour que je mange là. Bon, voici le début du repas pour Léo. C'est donc une assiette où j'ai mis du surimi, de la vache qui rit, du panais que j'ai fait cuire et réchauffer du coup, et des dés de jambon. Voilà, il va manger ça pour commencer. Moi, je me suis fait décongeler des crêpes au jambon que ma mère m'avait faites et que j'avais congelées. Donc, je lui en donnerai un petit morceau aussi. Et puis, pour commencer, il va manger ça. Oui, bah, minute, ça arrive, hein, l'abricot. Allez, bon appétit, l'amour. Par quoi on commence? Oh, le surimi. C'est bon ça. On va mettre un bavoir quand même. Hein. Allez hop, ça commence. Bon voilà, Nounou est à la sieste. Il était fatigué. Il a rien mangé. Je lui ai proposé donc son assiette que je vous ai montré. Il a pris 2-3 trucs et puis après il s'amusait plus avec qu'autre chose. Bon ça c'est pas grave. Du coup je lui ai proposé une purée. Il en a pas voulu. Il a mangé la moitié d'une danette. Il était chafouin, voilà, il était pas au top. Bon, ce matin, il a quasiment pas dormi, donc je pense que c'est ça. Et là, je l'ai mis à la sieste, il s'est endormi rapidement, donc bon, j'ai essayé de pas parler trop fort pour pas le réveiller. J'ai enfilé une veste parce que franchement, le temps, mon Dieu, comme il fait froid, il fait gris, il fait horrible. Je déteste ce temps. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Cet après-midi, au programme, là déjà, il faut que je range tout le bordel qu'il y a dans le salon. Parce que ce n'est plus un salon, mais c'est un foutoir. Voilà, très clairement. Ensuite, je vais ouvrir les jeux de bain de Léo. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai parlé sur Instagram. La dernière fois, j'ai surpris Léo quand il jouait dans le bain, enfin sous la douche, à mordiller un petit dinosaure de bain. Enfin, en gros, c'est un canard, quoi, mais en format dinosaure. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, là, les trucs où on met de l'eau, on les arrose, ça s'appelle les jouets arroseurs. Et en fait, quand il l'a mordillé, heureusement, il ne mordait pas là où il y avait le petit trou pour mettre de l'eau ou pour en faire sortir. Il y a un truc noir qui est sorti. Et là, je me suis dit, oh, ça me dégoûte ce truc. Alors que pourtant, à chaque fois que le bain est fini, je les essors bien. Enfin, je les presse correctement pour faire sortir toute l'eau. Et là, j'ai remis plein d'eau dedans, j'ai pressé et plein de noir est sorti. Et je me suis dit, ça me dégoûte. Donc, je me suis renseignée et j'ai vu que ces jeux-là avaient tendance à moisir complètement à l'intérieur. Donc je les ai tout de suite enlevés bien évidemment. Sur Insta du coup je vous en ai parlé et je vous ai demandé conseil pour des jeux qui ne moisissaient pas, hein, parce que je vais éviter de laisser mon fils jouer avec des jeux moisis. Voilà, ça me dégoûte. J'en ai vu pas mal, vous avez pas mal répondu, vous m'avez donné plein d'idées, donc je les ai partagées en story. Et là j'ai envie de les ouvrir pour voir à l'intérieur si c'est pas de tech. Donc je pense qu'on va faire ça ensemble.
Et j'espère que c'est pas trop moisi. Mais quoi qu'il advienne, je les remettrai pas les hauts parce que j'ai vu des trucs sur le web. Oh mon dieu, des trucs horribles, tout noir à l'intérieur et tout, ça m'a dégoûté. Sinon, le reste du programme, je vais faire ça, donc ranger, ouvrir les jeux de bain, blablabla, bosser un peu, ça serait pas mal. Si Léo dormait une petite heure, ça serait cool. Et ensuite, nous allons prendre le goûter chez des amis. Voilà, donc rien de spécial. Si vous ne voyez pas Dadou, c'est parce qu'il est en matin. Il est parti à... Je sais pas, il s'est levé à 3h15, 3h30, je crois. Et il a commencé à 5h moins le quart, je crois, ou 5h, bref. Donc là, il est au boulot. Ensuite, il a un rendez-vous. Ensuite, il rentre faire la sieste. Et nous, on sera chez nos amis. Comme ça, il sera au calme pour se reposer. Et voilà, bref, trop de bref. C'est parti pour ouvrir les jeux de bain. Oh, ça me dégoûte d'avance. J'espère que je vais rien trouver dedans. Bon, voilà le genre de petit jeu dont je vous parlais. Comme ça, quand je regarde dedans, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de sale. Je sais pas, quand je regarde au niveau des petits trous là, je vois pas quelque chose de sale. Mais bon, écoutez, je vais quand même, tant pis, hein, je vais... Bon, on va quand même ouvrir. Écoutez, on va voir. J'y vais avec les ciseaux. Hein. Ah si, c'est pas propre dedans. C'est pas propre. Les gars, c'est pas propre. Oh, c'est pas propre du tout. Ah non, mais j'ai bien fait de les enlever. Hein. Ah si, on voit que c'est sale. En fait, si je les avais laissés plus longtemps, ils auraient tout moisi, c'est sûr. Regardez. Oh, c'est dégueu, ça me dégoûte. Regardez. Regardez là, tout là. Tout là, c'est de la moisissure, ça. Oh, mon Dieu. Bon, bah alors, j'ai bien fait de l'ouvrir. On va ouvrir les autres pour voir. Bon, celui-là, il n'y a rien dedans. Si vous voyez du foncé, vous foncez simplement la crête du dinosaure qu'on voit par reflet. Celui-là, il n'y a pas de moisissure dedans. Mais vu ce qu'il y avait dans le jaune, franchement, je l'aurais quoi qu'il enlevé. On va essayer avec le rose. Regardez, là, au fond, on voit une tache de moisi. Oh, ça me dégoûte. Bon, il y en a moins dans celui-là. Mais là, là, la grosse tache noire, c'est du moisi. Oh, ça me dégoûte. Mais comment est-ce que c'est toujours autorisé ces trucs-là? Pourquoi c'est pas interdit à la vente? Non, mais regardez le jaune, il est tout noir à l'intérieur. Oh là 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 là. Alors moi, la maniaque que je suis, mais alors c'est niette, c'est plus jamais, mais c'est never. Ah, ça me dégoûte. Bon, bah écoutez, j'ai bien fait de les ouvrir parce que franchement, là, quand je regarde le jaune, la tache toute noire au fond, là, du rose, mon Dieu, j'ai bien fait de lui enlever de la douche. Bref, si vous avez des enfants qui ont des jeux arroseurs comme ça et qu'il n'y a pas possibilité de les dévisser pour vraiment les faire sécher correctement, sachez qu'à l'intérieur, c'est plein de moisi et c'est... Ah, ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. Bref, faites attention. Donc, si vous avez des enfants qui jouent avec ce genre de jeu, puisque, bah, mon Dieu, quelle horreur. Donc, je vais mettre tout ça à la poubelle, bien évidemment. Et Léo n'est pas prêt de rejouer avec ce genre de jeu. Franchement, immonde. Immonde. Bon, si vous vous demandez pourquoi il y a ma couette qui pend, tout simplement parce que je l'ai lavée et que c'est le seul endroit où que je l'ai pour l'étendre, vu qu'il fait pas beau dehors. Et que, de toute façon, elle n'aurait pas séché. Maintenant, il est l'heure de ranger tout ce bazar. Donc là, il y a de quoi faire. Et puis alors là, c'est pareil quoi. Bref, motivation, bonjour, allez, c'est parti. Bon, et bien devinez quoi, Abricot Tornado réveillé à la fin du ménage en fait. Enfin, du ménage si je peux appeler ça du ménage, j'ai juste rangé le salon et il était réveillé. Voilà, donc maman n'a pas eu le temps de faire grand chose d'autre, si ce n'est de finir de ranger son placard. Je vous ai dit ce matin en ouvrant le vlog très rapidement puisque je n'avais plus de batterie que j'avais fait du tri. Je vais vous montrer du coup. Alors, voilà, regardez, c'est tout bien rangé. Je suis, alors bon, pas là-haut, je suis d'accord, mais tout le reste, j'ai fait plein de tri. Donc autant vous dire que les pantalons, il y a de quoi faire. Ici, on a les leggings, là, les trucs que j'ai déjà chinés pour cet été. Là, ce sont les pulls, les sweats.
ensuite en dessous les salopettes, les t-shirts et les trucs à manches longues. Et après en dessous juste ces collants et des petits trucs que je garde voilà dans le placard pour le moment. Mais en tout cas c'est rangé, c'est trié, les boîtes à chaussures sont au fond. Enfin voilà, je suis contente parce que j'ai fait quand même un bon tri et ça en avait clairement besoin. Donc voilà, une bonne chose de faite. Sinon je voulais vous montrer, regardez, j'ai changé un petit peu l'aménagement de la chambre de Nounou. Donc là je l'ai posé dans son lit, juste le temps de vous montrer ça parce que la porte est ouverte. Et dès que la porte est ouverte, Léo s'empresse de sortir de sa chambre. Si si si, tu es un menteur. Donc en fait le lit avant était comme ça et du coup je l'ai mis comme ça pour y mettre sa caisse de livres, sa petite table d'activité. Ce qui me chafouine un peu, c'est qu'en gros ici je vais bloquer l'accès. Ouais ouais ouais, maman est à bloquer l'accès parce que en fait il y a les prises, tout là, il y a le fil de sa caméra qui est juste là. Donc voilà, je lui ai mis son gros nounours dans son petit fauteuil à côté de son lit. Bon, c'est pas, je sais pas, il y a un truc qui me chagrine, mais je trouve qu'il a quand même plus d'espace pour jouer, je sais pas trop. Donc pour le moment, je vais laisser comme ça. On va voir si je rechange comme avant ou si je trouve un nouvel agencement, je sais pas, ça me perturbe un petit peu d'avoir le lit comme ça là. Mais bon, écoutez, petite paire de chaussons au milieu, on adore. Voilà, pour l'instant ça restera comme ça, on verra. Ça te plaît pas? Non, pas trop. Bon, ben on verra. Voilà, je prendrai l'avis de Dadou en compte, bien évidemment, puisqu'il l'a pas vu encore. Mais voilà ce que j'ai fait donc depuis qu'il est réveillé, c'est-à-dire depuis une petite demi-heure. On a fait ça ensemble. Et forcément, je faisais et il défaisait, sinon c'était pas drôle. Bon, et là, il va être 15h. Regardez, il va s'empresser de m'attraper les cheveux, je pense. Donc, on va partir chez nos amis, puisque nous allons prendre le goûter et Nounou va pouvoir jouer avec son copain Gianni. Ça va être cool. T'as pas intérêt? Oui, tu n'as pas intérêt de tirer les cheveux. Il est surexcité. Oh là là, je vais encore être toute honteuse quand on va chez des gens, même si c'est des amis là. J'ai toujours peur de déranger et tout parce que Léo il est tellement au taquet que voilà, il joue très bien avec leur fils. Mais le problème c'est que Léo a tendance à lui tirer les cheveux à Gianni. Donc si je te vois tirer les cheveux à Gianni, attention. Bref, bah écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure. Je pense que quand je vous reprendrai, il fera nuit parce que. Il fait une nuit super tôt et c'est super chiant. Et de toute façon aujourd'hui il fait gris. Voilà, bref, écoutez, il fait comme moi. Je vous dis à tout à l'heure, nous on va prendre le goûter chez les amis, ça va être chouette. Et il s'impatiente donc je vous laisse. Bon, et bien voilà, je vous avais dit que je vous reprendrai quand il ferait nuit. Il est 19h, là Nounou est avec son papa en train de finir le bain. Enfin il est en train de l'habiller et tout, comme ça on va lui donner à manger. Écoutez, j'ai passé une superbe après-midi avec mes amis, c'était très chouette. Léo était au tacos Exitos des bananos, pour pas changer. Voilà, mais il s'est bien éclaté, donc c'est cool. Là, je vais lui donner à manger. Et ce soir, j'avais envie de ranger mon garage, je me demandais pas pourquoi. Mais alors, clairement, je pense que je vais avoir une flemme intersidérale. Donc, le garage attendra. Mais bon, on verra. Écoutez, c'est l'heure de la popote pour Nounou. Je n'avais pas de petit pot d'avant, je pensais en avoir d'avance. Mais en fait, c'est ce qu'il a déjà mangé hier. Donc, je vais pas lui redonner le pouf parce que, bon, manger deux fois de suite la même chose, c'est pas top. Du coup, je vais lui donner un petit pot que j'avais acheté à Naturnes là de chez Nestlé qui sont très bien. Voilà, ça va être simple ce soir et puis après Dadou va aller se coucher très vite je pense puisque demain réveil à 3h30 à peine, même peut-être avant. Et moi je sais pas du tout ce que je vais manger, on verra bien. Bon et bien voilà, il est bientôt 21h et je suis assise dans mon garage, motivée comme Jaja ou pas. Oh, ça c'est quelque chose qui vient de se frotter. Puisque regardez tous les cartons que j'ai à trier, oh, c'est un enfer, mais je préfère le faire maintenant comme c'est les cartons demain, comme ça tout sera prêt à vider. Et voilà, j'ai voulu aller fermer la porte de chambre de Léo qui dort depuis 19h45 et en fermant sa porte ça a fait un petit bruit, ce qui l'a réveillé. Donc je suis juste rendormie vite fait, il s'est rendormi et puis j'ai pas fermé la porte du coup. Je vous raconte ma vie, mais je suis en pige, assise par terre dans mon garage, et je vais plier mes cartons. Bon programme, hein, on adore. C'est un échec, il est réveillé. Bon, écoutez, je vais vous abandonner là, avec le bruit de ma machine à laver et du babyphone. Je reprendrai ça plus tard, j'ai eu le temps de plier. Deux cartons formidables. Je vous abandonne là. J'espère que ce petit vlog, oh là là, gros chagrin, vous aura plu. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et ciao.